Bonjour tout le monde, ici Super Cané aussi appelé ça, et on se retrouve pour l'épisode 22, oui, de Pokémon Dark Rising. Oui, c'est parce que j'ai cru un instant que le record avait été foireux. Alors dans cet épisode, dans le dernier épisode, on avait affronté Serena sur son Terra Vague. Serena sur son Terra Vague, oui. On est toujours en compagnie de ces Pokémon, Zebiska, Zevitinine, Ranouine, Rillaboom, Purple et Tourny, et c'est parti pour aller sur la route. Oui, j'ai toujours pas de vélo. Bref, ce que j'ai dans Emerald Pal, hein, j'appuie sur X et j'ai mon vélo direct. Or, je n'ai pas encore le vélo ici. Je n'ai pas encore pris le cadeau et je vais aller le prendre une fois avoir pété la gueule à ce cap humain. Niveau 38. Thunderbolt, oui, il a appris l'attaque tonnerre. C'est vrai, ils ont appris des nouvelles attaques, je les ai pas montrées. Attaque tonnerre. Ça le tue pas. C'est vrai, j'ai fait une ellipse. Bah, une ellipse. Je les ai entraînés en off. Petit peu. Non, il avait appris tonnerre en vidéo. Je sais plus. Vous me le direz si vous aimez ça, a appris tonnerre en vidéo. Alors, voyons voir. Ranouille, ça je suis sûr qu'il a évolué en épisode. Il a appris, oui, Drillburn a appris Aéopic. Purple n'a rien à... Si, il a appris Tranche, non, je sais plus. Driveburn, je sais pas si c'est Rapace, je sais pas s'il l'a appris en épisode. Et Yalopa, il n'a rien appris. Hein, je sais pas, je l'ai pas entraîné. Oh. Je l'entraînerai pour la prochaine session. Angus Bika, je veux juste devenir un tresseur, mais pour ça, je pense que je dois gagner. Non, tu dois perdre. Ouais. Dilo. Hey, Dillon. Zembuska et Noix de Coco. Ah non. Voilà, la pré-évolution de Noix de Coco. C'était le 9. Bon, contre le 9. Non. Étant donné que j'ai 3 niveaux de plus que lui, je devrais easy le battre. Alors il faut savoir que 9 à x4 sur le type insecte. Ah ouais, x4. Il est fait contre le type insecte et le type psy faible contre le type insecte. Je ne sais pas si vous le savez, mais pourquoi le type psy est fait contre l'insecte? Parce que à la base, le type psy c'est censé représenter l'intelligence. Ah merci d'avoir augmenté mon attaque. Ah ouais, non, par tonnerre, ça redirige l'attaque automatiquement sur le lanceur. Bah sur celui qui a pas tonnerre, d'accord. Fire Punch. En gros, les Pokémon 6, c'est censé être des Pokémon intelligents, et donc ce qui trouble l'intelligence, bah, c'est la peur, et dont les insectes font source de peur, on va dire, comme les ténèbres, les fantômes, vous voyez. Je sais pas si vous avez compris, mais enfin, peut-être que vous le saviez déjà. Je me promène, beaucoup de dresseurs. Qui je vais mettre en terre? On va mettre Ranouille. Ranouille qui connaît vol, et donc je n'ai pas obligé, je ne suis pas, j'ai même pas la 16 vol, hein. Compétition, ouais. You do it, bro. You do it. Un croupier, gamer. C'est pas pareil. Un magnéton, bon. Intimidation. Et peur de micro. Et il a pas d'attaque feu. Donc il a Dragon Dance ce truc. Est-ce que il a quoi comme talent magnéton? Il a statique et manie piège, non? Zap Cannon. Et les canons, non? Peut-être. Sauf que les canons ont 50% de toucher. Hein. Pas une attaque très précise, mais elle fait très mal. Elle paralyse à coup sûr. Elle tête de fer, d'accord. I have not a problem what is. Bon, pour petite information, ça fait genre une demi-heure que j'essaie de tourner, mais comme il y a eu un problème, slow blow, pour la Gados. Frère lent. Enfin, il faut que j'arrête de puer comme un crétin pour aller puer. Bingo, j'ai à droit à 1€. Potlan. Un peu comme ça leur Pokémon. Nous on a Flagados, c'est pas mieux. D'accord. Mais un critical hit comme ça, peinard, la vie est belle.
Bah bah Dranouille. Hein. Truc, aucune pression, hein. Je te mets une attaque sur un psycho dans ta gueule. Tu comprends pas et tu meurs. Draco... Ah non. Il connaît pas Draco Griffe. Je trouve ça complètement abusé le truc, il connaît pas Draco Griffe. Ah pff. Oui, il y a Trixie n'apprend pas Draco Griffe. Mais bon. Je préfère avoir Draco Griffe sur mon. Sur Gratak que Draco Shock. Ah Arco, super, allez. J'ai même pas envie de regarder ta tête de Merlan Free. Ne me tue pas. Ouais bah je vais pas te tuer, au revoir. T'aurais pu le capturer ça. Oui j'aurais pu le capturer mais dans quel intérêt? J'ai pas envie d'avoir un Junko dans l'équipe. J'en avais déjà dans Victory Fire. Il était complètement inutile dans l'absolu. C'était le boulet de l'équipe. Et vers la fin, vers le dernier épisode, j'avais hésité de le changer par Florizarre. Finalement, dans Victory Fire, je ne vous dis pas l'équipe finale, hein, vous avez qu'à regarder les coulisses. Voilà, il est 5 heures. Ah, Gracile, l'île d'herbe. L'île des Kokaioman, ouais. On parle des sujets tabous. Je vais te choquer. Je vais te percuter, je vais te faire un onde de choc, quoi. Brunstone, ouais. Déjà ton nom me fait peur. Un Raichu. T'as pas plus effrayant que ça. Raichu. Alors autant Pikachu est la mascotte de tous, autant Pichu est un peu plus connu, mais Raichu quoi, c'est le Pokémon oublié de tous quoi. C'est complètement insurme dans Rossa, c'est quand tu fais évoluer ton Pikachu cosplay en Raichu, le mec. Tu veux que je le déguise? Ah non, moi je déguise que les Pikachu, hein, ton Raichu de merde, tu peux te le courir, te le mettre dans le cul, hein. Alors que Raichu... Voilà. On se demande pourquoi ils ont donné une évolution à Pikachu, quoi. C'est histoire 2, tu vois, histoire 2 qui soit pas trop... Hein, trop nul, hein. Voilà, Brunstone s'est fait battre. J'ai été électrifié, ouais. Et tu m'as donné ton argent. Alors l'avantage des versions hack, ce que je remarque, c'est qu'on peut gagner pas mal d'argent. Bah en tout cas dans Victory, non, c'est Dark Rising, tu gagnes pas mal d'argent, j'ai l'impression. Gamer Dorian, Darion, qui est combat de jeu Abra et Furigon. Toi, t'as oublié d'entraîner tes Pokémon. Ah, bah on vient de trouver un bug, chers amis. Je ne pense pas que ces Pokémon soient au bon niveau. Je pense qu'il y en a un qui devrait être niveau 40 et l'autre niveau 45 ou tout au moins. Bon. Pas si gêné, hein. Au revoir les mecs. Point clair sur le Fleuriglon. Au revoir. Ouais, c'est sans doute un bug. Un bug, ils se sont dit, il n'y a personne qui va aller affronter les dresseurs. Et là, ils me donnent 100 millions. 100 000 Poké-Dollars, ouais. Je me sentrais un petit peu victime, là. Ouais, quand même pas. Hein. Il me donne quand même pas mal, hein. Le papy. Le papy. Oula, Mazette, faut se calmer. Car même les Furiglons du coin sont plus puissants, quoi. Oui, par contre, maintenant, c'est un petit peu chiant. Vol, ça prend 2 tours. Je suis sûr de mettre KO, hein, il y a 15 niveaux de différence. Oui. Et voilà, Furion est out. Il y a quoi, là? Ok, donc... C'est pour te signaler qu'en fait, il faut pas aller là. La cave mystique. J'aime pas la musique. Qu'est-ce que c'est que ce droit? Ouais, pour une... Ok, des tritosaures. Encore. Bah, mes impressions sur cette cave, elle a une musique, la musique de la Sinfer.
Allez, un cochon. Ça le met pas KO, hein. Faut pas rêver. Voyez. Bah, il mange. J'ai encore un tour pour le mettre KO. Draco... Non, Griffon. Voilà. Oui. Voilà, bon, ça rapporte. Qu'a-t-il sur ça? Je sens que je vais me perdre dans cette grotte. Ok, un labyrinthe à sens unique. Des bols buto. Balbuto évolue en Kaorin et Kaorin. Je me souviens, j'en avais un sur Ruby qui était pas mal, le Kaorin. Alors, par contre, je ne comprends pas ce que je fais ici. Hein. Une grotte. Où vas-tu, Sab? Je vais à une grotte. Bon, par contre, s'il n'y a que des tritosaures et des balbuto, ça me va faire moyen. Bon, le prochain bat, ce sera dans 6 épisodes. Parce que oui, j'ai un épisode, j'ai un badge tous les 7 épisodes. Hein. Environ, à peu près. Roigada. Ah ouais, bon, alors, c'est le niveau d'un coup, là. Niveau 40 tout de même. Roigada qui est pas mauvais dans une team distorsion, faut avouer. Très lent, c'est l'un des Pokémon les plus lents, me semble, Roigada. Ébullition, ouais, bah je prendrai pas de Roigada, en plus c'est une femelle, c'est Roi Queen, c'est Slowking qu'on devrait l'appeler. Brûler, non, il n'y a pas brûlure avec ébullition. Dans ce jeu en tout cas. C'est super efficace, oui. Et le KO, non, pas niveau 51. Bon, bah j'ai gagné. Pourquoi je suis retourné là? J'ai gagné une guérison. Putain, t'aurais un Pokémon qui aurait surf là, c'est. Bon. Ça servira à rien. Magneton, je ne comprends pas cette grotte. Je comprends pas l'intérêt d'avoir des types eau, des types électriques, des types sol, quoi. C'est quoi cet endroit chelou, quoi? La carte mystique. Cette carte est tout à fait mystique. Je ne cherche pas la logique. Je vous rassure, j'ai pas cherché à comprendre. Ah, il y a un Archimire. Ok. D'accord. Bon là je serais sur Rossa, je ferais ça. Ça serait très efficace. Ah super, bon je me casse. Onde de folie. Rayon confus. On va voir. Je déteste ces Pokémon qui conseillent, ça te rend confus. Tu te tapes pendant 20 ans et ça sert à rien. Ah, on n'est pas là pour chercher le joyau de la vie ou je ne sais quoi. J'en ai marre de tomber sur des Pokémon, j'aimerais avancer. Donc si j'avais avancé, je vais mettre des anti... Des... Rappel que je n'en reste plus que deux, ok. C'est que de cet endroit, ça. Full restore, bah dis donc. Je visite. Rien de truc. Full restore. Ok, il y avait un... Max Elixir. Putain, on dirait qu'il te prépare pour une grosse battle, quoi. On va tomber sur Arceus niveau 100, c'est quoi? Je déteste les labyrinthes ultra ball. Voilà, la rappel la fin de faire effet. Ouais, je te fais 100 pas. PPU. Corps. Pour monter les pouvoirs power je ne sais plus quoi. Des pépites. Je crois que je suis toujours pas au bon endroit. La repousse a cessé de faire effet. Il n'y a rien. Pas au bon endroit. Ok. Magnétie, fuck yeah. Je vais t'exploser à coup de lance-lame. Magnétie, fuck yeah.
Ouais, bah je comprends pas. Je comprends pas en fait, je sais, il y a un truc à faire, mais il y a des Pokémon qui arrêtent pas de m'agresser, forcément. Donc mes chers amis, je vous propose de mettre tout ça en full speed. Parce que, voyez-vous, j'ai pas très envie de perdre 20 ans dans un labyrinthe de merde. C'est pas là. Parce que je sens que je m'y perds pendant 20 ans. J'améliorerai la musique en full speed. Parce que déjà, les Pokémon vont me saouler. Et tu vas te casser. Comment on y va, là? Ok. Oui, par contre, je me prends des murs, forcément. Bon, il y a des Néos. Pas par là. Je déteste les labyrinthes. Bon, faut trouver la bonne la bonne entrée. Ah, désolé de le mettre en full speed. J'ai pas envie de prendre que l'épisode déjà dure tout un instant sur un mec qui se perd dans un labyrinthe. Je suis pas dans Zelda. T'as un énorme, super. Oui, je pourrais m'entraîner, mais j'ai pas. C'est pas le moment. Bon, calculons. Là, y a rien. Quoi qu'il arrive. Et s'ils me disent qu'il faut une CS, quelqu'un comme Éclat de Rock, je les sens. Mais c'est quoi cette grotte? Ah, c'est peut-être ça. Je sais pas en fait. Je me perds tellement dans cet endroit. Je sais pas, je suis jamais allé là. Mais casse-toi, Nucleos de merde. Bah, Méos de merde. Ah, c'est peut-être ça. Non, mais j'ai voulu fuir, pas Pokémon, espèce de spinouf. Oh là là, je déteste les labyrinthes dans ce genre, oh là là. Rattaque, j'utilise Draco Griffe sur tout ce bon monde. J'ai plus de rappel, c'est génial. Et mon perso se mange des murs, oh là là. Casse-toi, Arkéonir, je m'en moque de ta vie. Ta vie ne laisse sans aucune importance. Balbuto, pareil. Ah, dis-moi pas que c'est un fail. Je sais pas, je suis allé tellement vite que j'ai pas vu. Putain, tu te fous de moi, comment on y arrive à cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe, quoi? Tu vois, c'est le gros troll, tu vas jusqu'au bout pour au final t'en déduire que c'est pas le bon chemin, quoi. Bien sûr, entre-temps, tu t'es fait agresser par 100 000 Pokémon, surtout des Flagados, quoi, qui vont à 10 000 à l'heure. Ils viennent en roller pour t'agresser. Oula, je calme-toi. Si quelqu'un a la solution, je suis à l'écoute de tous. Bon, écoutez... J'en ai assez vu, je vais faire une ellipse jusqu'à que je trouve le bon endroit. Allez, à plus. Voilà, j'ai trouvé, même si je viens de trouver un Arkéomir. En fait, c'est la technique de ce qu'il faut faire, hein, parce qu'il y a bien une technique. En gros, il faut regarder avec les différentes échelles, comme le chemin qui mène au bon chemin. En gros, bah, c'est celui-là. Vous voyez, il y a les échelles et on voit un peu une partie de la map. Et c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr, entre les Pokémon qui t'agressent, qui t'ont chié, donc tu te peux pas réfléchir, donc c'est chiant. Mais aussi, Dranouille a monté un autre niveau hein, pendant cette courte pause, parce que il y a des Mesmerella dans cette grotte, et les Mesmerella, ils ont Macombre, t'empêchant de fuir, qui est le meilleur talent de tous les temps, surtout quand t'as pas envie d'affronter des Pokémon. Oh là là, putain, j'espère que j'ai des scapotes, c'est-à-dire une corde sortie, parce que j'ai pas envie de me retaper le chemin. Et surtout, attends, on va compter le nombre de pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ah bah tiens, étonnamment, il n'y a personne qui m'agresse à ce moment. Ah oui, c'est vrai, quand tu cours, les Pokémon... Voilà, j'espère qu'il n'y a pas encore un de ces trucs de merde. Qui c'est qui est là? Regardez c'est qui est là. V. Vendetta. Super V. V. Pour mes années, j'ai attendu des jours. Oh lolo.
Le retour de Darugiz, ma vengeance sur ton père, le mont. Le pays où le peuple du le peuple de la terre va trembler devant moi. Tu veux ruiner mes plans, petit sale petit. Tu crois mon père n'a jamais voulu abandonner personne. Ouais. Il veut sauver le temps, il veut trouver tout le monde. Tu penses joindre les forces pour qui. Tu crois que rejoindre les forces de Darugiz va te rendre heureux. Le monstre a de. Un effet négatif sur, donne un effet négatif. Ouais, la chaîne, le match, mais c'est pas ce qui va changer mon plan. Mais bah voilà, on va dire pacte, j'ai fait un pacte avec Darugiz. Je dois te battre. Ah là là, ça passe Underworld. Quand le monde se vendre son âme, pourquoi tu dis ça? Si tu me défiais, tu aurais l'habilité de te torturer toi, ton père, pour toujours. Ouais, ouais, ouais. Tu me laisses pas le choix, let's do it, one last time, pour une dernière fois. Ah là là. Fils de chacal. 6 Pokémon, tu commences avec un Noctuenoir, niveau 56. Attends, tu vas pas me dire que tout ça pour un combat. Bon bah si je perds, je fais une ellipse. Hein. Shadow Claw. Allez Dranouille, on compte sur toi Dranouille. Shadow Punch, tu tiens bon le Dranouille. Ouais Dranouille. C'est ça qu'on aime, un dragon qui fait mal. Allez mon pote. Allez Dranouille. Allez Dranouille. Oh là 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 là. Le Dratak complètement surcité. Coup critique, c'est ça qu'on aime. Goldurn. Je ne suis pas, je suis un malade. Ton golem à stock, j'en fais du pâté. Même si j'ai plus bientôt de cesse. Oh là là. Ah, il y a son... ultra laser. Il le tient, Easy Drano, il le tient. Pas. Si, il le tient. Et en plus, t'es obligé d'attendre un tour pour que pouvoir le soigner. Eh ouais, mec, t'as mal joué. T'es qu'une merde. Tu dois te recharger. Eh ouais, moi j'en profite pour te buter ton deuxième Pokémon. Allez. Bute. Oui, Critical Hit. Oh. Miss Magus. Son... Comment il s'appelle ce Pokémon qui me fait chier? Ouais, Magirev. Le Squishy. Ma chouille. Ça peut pas purer ma chouille, il me semble. Oh là là, j'ai rien fait. Squishy. Ok, tonnerre. On va voir. Moi, les tiens pas. Hein. Allez, Victini. Victini, point de feu. Bleu. Oh là là, allez, alors je recommence avec ma technique qui fait chier tout le monde. Oui. Sauf que moi, j'ai pensé à prendre des raps, des réveils. Fuck yeah. J'ai des réveils. Fuck yeah. Tu t'es fait un peu niquer. Panique pas. Oui. Par contre, je dois paniquer. T'es qu'une merde, tu peux pas me vaincre. Point de feu, ça te met dans le rouge. T'as pas compris encore, j'avais des réveils à gogo. Putain, le truc, il veut m'endormir à tout prix, quoi. Dors. Non. Shadow Ball. Aïe. Non. Oh là, mes deux Pokémon plus forts, ils sont en train de faire la gueule, là. Bon, il lui reste 3 Pokémon. Allez. Ah oui, mais il y a son Corbox qui fait chier. Corps merde. Spirit Tomb. Ah, mais qui c'est qui est là, Spirit Tomb, le Pokémon qui fait chier. Oui, je lui donne une joie pour tout aigu parce que Spirit Tomb a plongé son premier Pokémon qui m'avait fait chier. Il y a un Scorbox et son dernier Pokémon, je ne sais pas. Je crois que c'est Dimoré. Un. Troll.
Troll! Je vais te troll! Oh! Voix d'honneur! Tu peux te le croiser ou tu je le pince? Oh! Critical Hit! Peu. Tu pâtis, mon gars. Peu. Plus t'as même pas de potions, je suis sûr. Si, t'as dû avoir des potions, parce que vu comment tu... Non, t'as pas de potions, parce que sinon t'aurais sauvé même ton magie rêve de mon de Vitini. Et la critique à Hit. Je suis béni par les dieux. Hypnose. Oh, tu le vois le doigt. Tu le vois le doigt. C'est le doigt, c'est le mal des... c'est le mal des doigts. Tu peux te le quoi me mettre où je pense. Tunnel. Et au prochain tour, tu meurs. Parce que tu as pas assez... t'es pas assez intelligent, tu vois, pour faire une deuxième attaque hypnose. Oh, c'est pas très efficace. Oui, je sais, t'as ton objet de merde que tous tes Pokémon chiennent. Bah, tous tes Pokémon qui vont chier, parce que si ces Pokémon qui faisaient pas chier avec des restes, bon. Allez, les Flash Cannon, au revoir, monsieur. Critical. Oh, oh. J'ai acheté le jeu, les gens, en fait. J'ai acheté le jeu. Je lui ai donné de l'argent virtuel. Crocodile. Selon mes statistiques, il lui reste deux Pokémon, il lui reste un Crocodile qui est complètement inutile contre un type vol. Donc, selon moi, on a une chance sur 10 de gagner. Une chance sur 10, ouais. Bon, il a une chance sur 10 de gagner, et moi j'ai 9 chances sur 10 de l'emporter. Casse-brique. Parce que je peux toujours rappeler à mon... J'ai toujours des rappels. Ah, ça par contre c'est pas bon. Surchauffe, donc il y a l'intérêt de faire une attaque surchauffe. T'es nul. Parce que la prochaine attaque sera totalement inutile. Casse break. Je suis donné que ça lui fasse pas autant de dégâts. Aïe aïe aïe, ça fait pas mal tout ça. Mais en même temps, je suis en train de... Crunch. Oui, ça fait mal. On va. Même pas. Il est nul ce crocodile, sérieux. Ce crocorime. Crocodile, c'est l'autre Pokémon, Crocodile. Bon, il meurt, bah, forcément, critical, il en a, bon. Pour le coup, c'est lui qui a fait des criticalités sérieux. J'ai envie de tenter un truc, mais c'est très risqué, donc je ne le ferai pas. Drenouille. Profitage. Drenouille qui va profiter de ce qu'a fait tourner pour gagner une dispé. Il aurait raté, j'aurais rigolé. Merde, j'ai perdu. Il lui a son corps box. Niveau 52. C'est du niveau 52. Il lui a son corps back. Et il me reste 4 Pokémon. Certes, 2 qui sont très tellement mal au point que... qui vont en mourir. Mais il me reste lui. Thunderbolt. Oh, c'est même pas un critical hit. D'accord. Alors mesdames et messieurs, nous avons un corbac totalement fou. Oh, la victimisation, il lui reste 5 points de vie. Oh, je t'ai victimisé. V comme victime. Oh. Ah, le nom de l'épisode, on le tient. V comme victime. Oh, victime. T'es qu'une sale victime. No. Ouais, mon body. Kaden Sakura. Hear my cry of agony. Avenge me. Ouais, gueule pas, donne-moi ton argent. V. Quoi? No, V, le corps de Bandé tourne comme une pierre, son âme, ouais, bah, son arme, elle retourne dans l'endroit. Non, je suis désolé, V. Sur fond ça, okay, il prend les cendres, non, je sais pas ce qu'il fait avec le cadavre. Bah, avec l'âme, non, chain, ride me. Tu dois battre, Gargis. Putain, ça fait ça, comment tu es, quoi, comme elle le dit, je sais que je dois battre Gargis. Bon, il y a de stuff à gogo. Il m'a soigné mes Pokémon, j'espère. No. Et tu as encore un combat après. Non. Oh, le pire de truc, quoi. Alors que là, si j'ai un autre combat après, là, à la fin de la grotte, là...
ça en position victime. Donc je continue un peu l'épisode, hein, je sais pas, jusqu'à qu'on trouve la boue de la grotte. Tiens, Purple, bouffe un rappel. Je sais pas ce que c'est un rappel, hein, je sais pas ce que de quoi c'est constitué, je sais pas si c'était mes deux. Regardez-moi cette équipe complètement bancale, quoi. Ah, bancale, totalement défoncée, quoi. Tiens, tourne, bouffe du rappel. Je ne sais pas de quoi est constitué un rappel, mais ça doit être bon. Bon, j'ai combien de super potions? Ouais, parce que j'ai pas de guérison, j'ai même pas d'hyper potion. Bon, on va pas tout utiliser. Une chacune. Allez, Bikini. Bikini! Ouais, super. Pouf de la super potion. Bon, ils sont tous en jaune. On va supposer que ça va être bon. On va supposer. Oh, mince rappel au moment où je viens d'utiliser mes rappels. Jeu de... Non. Jeu de putain. Ah, V comme victime, nom de l'épisode, quoi. On le tient, là. On le tient. Je le tiens. Ah, mais attends, j'y pense. Eh hey Forest, je viens d'y penser à un truc. Je peux utiliser tunnel de Minotaur, puis après je fais vol pour retourner au centre Pokémon, et pour après, bah, mes Pokémon ont bon niveau, et après on revient au prochain épisode. Ah, mais oui, c'est pas une mauvaise technique. Mais il y a un grotte, ok. Finalement, j'annule le plan. Voilà. Dommage qu'on soit pas dans Rossa où tu peux te voler dans n'importe quelle partie du jeu. Totalement cheaté. Bah, totalement cheaté. Oui, c'est cheaté. Ah, bah, j'ai envie d'aller au Chenal 138. Ah, zut, je dois aller à Algacia. Bah, non, maintenant, tu vas directement au Chenal. C'est quoi? C'est quoi? Une autre balle. Je m'en fous. Je capture aucun Pokémon dans ce jeu. Sauf si ça gêne un Pokémon légendaire. Alors là, il y a du monde là, au balcon. Mais, donnez-moi de l'argent pour pouvoir m'acheter des super potions. Putain, j'ai 3 balles, mes Pokémon sont niveau 52, quoi. Jeu de merde. Hein? Ok. Je suis allé trop vite. Ok. Ah, chers amis, on verra qui sont ces deux gens au prochain épisode. Salut, c'est des Super Gagnants, à vous les studios.